Eh bien, salut tout le monde, c'est Jean-Fils, et aujourd'hui... What the fuck? Pourquoi c'est retourné? Ah, attends. Ah, voilà, comme ça c'est mieux. Du coup, nous sommes partis sur une map jump un peu spéciale, une map jump, mais à l'envers. D'accord, ok, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Les amis, nous sommes partis sur une map où on va devoir jumper, mais avec un jump plutôt assez spécial. Oh my god. Comme tu peux le remarquer, What the fuck? Un jump à l'envers, est-ce que vous avez déjà vu ça? Avez-vous déjà vu cela dans Minecraft? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi non. Oh, c'est génial, l'idée est juste géniale. Il a fait ça, à mon avis, avec l'effet de lévitation, mais c'est terriblement bien fait. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé cette map-ci, pourquoi pas la faire en vidéo? J'espère, en tout cas, les amis, que cette vidéo en mon compagnie va te faire surkiffer. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un énorme pouce bleu en-dessus de la vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube de Jean-Fils, ça me ferait encore plus plaisir. Merci d'avance. Du coup, on est parti pour compléter ce premier niveau. Je pense que ça va le faire. Attention. Toc. Ok, nous y sommes. Level 1 completed. On peut voir dans le scoreboard à droite que le créateur de la map, il a fait 19 morts avant de réussir tous les niveaux. Donc là, on a fait le niveau 1. Normalement, le niveau 2 doit être complet. Voilà, doit être accessible. C'est parti pour le niveau 2. Espérons faire un minimum de morts. Voilà, j'ai... D'accord, il faut exactement que quand je dis ça, ben je meurs, hein. C'est magnifique, on apprécie cela. Hein. Jean-Fils et ses fails, c'est toujours pareil. 3, 2, 1, tac. Il faut quand même maîtriser un petit truc, c'est qu'en fait, c'est pas de la touche jump de d'habitude, en fait, c'est la touche sneak. En fait, il faut appuyer sur la touche sneak pour pouvoir jumper, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est ça la particularité, on va dire. Tac. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, même si je viens de me fail il y a quelques secondes. Oh non, je me suis fail. Oh non, en plus c'était un checkpoint, je pense. Je pense que c'était un checkpoint, je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. De toute façon, on est qu'au deuxième niveau. C'est pas comme si on était vraiment à la fin et que je devais tout recommencer. Donc je pense que le bloc jaune, c'était un checkpoint. Je suis pas sûr, on va voir tout de suite cela quand je serai arrivé. Ok, je commence à maîtriser un peu. Oh non, non. Bien sûr. Ah, il est compliqué là, il est compliqué, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, il faut savoir maîtriser le sneak et le et savoir courir en même temps. C'est assez complexe, c'est pas si facile que ça. J'espère que... Non. Ah, voilà, j'ai encore... Attends, peut-être qu'il faut que j'appuie sur le sneak un peu plus longtemps. Peut-être bien, je ne sais pas. Bon, allez, là je suis mort 4 fois. 4 fois? Sérieux? Oh, je pensais que j'étais mort 3 fois, mais c'est bon. Bon, c'est pas grave. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, quand même, faut pas déconner, hein s'il te plaît. Hein, les fails, c'est terminé. Putain, j'ai failli me fail justement là. Ok. Hop là. Ok, alors. Nous y sommes. Non, oh mon dieu. Mais c'est sérieux. Je n'arrive pas. Ok, les amis, nous y sommes. On est quand même au niveau 2, hein, je tiens à le rappeler. Et je suis déjà en galère. Ok, là c'est la bonne. Oui, non. Je l'ai ralenti au dernier moment en pensant que j'allais trop vite. Oh non, oh c'est compliqué. Ah franchement, je m'y attendais pas. Bon alors, cette fois-ci, s'il te plaît, Jean-Fils. Ok, on va essayer de se mettre à la limite de chez... Limite du bloc. Si j'arrive, voilà, c'est bon, je suis... Maintenant, va falloir gérer, Jean-Fils. Oui. Yes. J'ai réussi. Je pense que c'est un checkpoint. Putain, il était vraiment complexe, hein, celui-là. Je pense que c'est un checkpoint. Du coup, si je meurs, je réapparaîtrai là. Oh, aïe, on est quand même mouru 7 fois hein, pour en arriver là. Ouh, c'est pas si facile que ça. Je pensais que c'était quand même facile, mais le jump, il m'a un peu ressaisi là. Non. Oui. Ok, level 2 completed. Let's go. Nous sommes partis pour le niveau 3. Il y a combien de niveaux? 5? Il y a 5 niveaux, ok. Ok, il n'y en a pas beaucoup. J'imagine qu'ils doivent être plus compliqués les uns. Par exemple, le 5 va être plus complexe. Mais bon, voilà, nous sommes au 3. Putain, il est long ce parcours. Hein. Ok, on a des blocs. Ah, des blocs verts, ça donne de la nausée. Non, t'es sérieux? Oh, ok. C'est parti. Ok. Ah oui, il donne une nausée, les blocs verts. Il donne une petite nausée.
Attends, est-ce que c'est fini? Ok, 4 secondes. Doucement, doucement. On arrive bientôt au checkpoint. Ok, tac. Ok, checkpoint. C'était plus facile d'arriver là que dans le niveau précédent. Hein, j'ai quand même galéré niveau précédent pour arriver au checkpoint. Ok, pour le moment, on gère. Oh, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous avez déjà vu une map comme ça avec un jump de lévitation. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Et je trouve l'idée de la map vraiment super pour ceux qui veulent. Le lien de téléchargement de la map sera bien évidemment dans la description si vous voulez tester chez vous. Parce que c'est vrai que c'est un aspect différent des jumps qu'on connaît d'habitude. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ok, let's go. Sinon, on a vraiment eu beaucoup plus facile. Je ne suis pas mort. C'est une bonne nouvelle pour ce niveau 3. Nous avons du coup débloqué le niveau 4. Ensuite, on aura le dernier niveau, le niveau 5. J'espère ne pas trop galérer. C'est parti pour le niveau 4. Ok. Ici, niveau 4, on a un nouveau bloc, le bloc noir. Que va-t-il nous donner? Dark Block, Totally Blind New. Oh! Oh, dang, son! Ok, une difficulté rajoutée. Ok. En fait, j'ai remarqué que les blocs de nausée ici, si tu jumps directement, il n'a pas le temps de détecter que tu es dessus, alors que tu n'as pas le fait de nausée. Ok. Est-ce que ça fait pareil pour ici? Non, pas pareil. Ok. Ok, pour le moment, ça se passe bien. Non! Oh, j'ai failli me fail. Ok, checkpoint. Ça, c'est cool. Let's go. Doucement. Ici, nausée. Faut faire vite pour éviter d'avoir la potion. Ok, tant qu'on va vite, on l'a pas. Let's go. Pour le moment, on enchaîne tranquillou, pépère. On apprécie fortement cela. Let's go. Tac. Pouf. Encore un checkpoint. Ok, on arrive déjà bientôt à la fin. Et bien, du coup, les amis. Quand je vois ça, j'ai vraiment galéré pour le niveau 2. Quand tu vois ça, franchement. Tac. Ok. Wouh. Ok. Bon, là, pour le moment, niveau 3, niveau 4, ça se passe plutôt bien. On va pas se mentir. On a vraiment facile. J'imagine pour que le dernier niveau, le niveau 5, ça va être plus complexe. Wet block a dead on the gallery. Ok, galerie. Ok. Galerie, mais elle est vite la galerie, d'accord. Ok, donc il y a un nouveau bloc qui a été ajouté, le bloc rouge. Qu'est-ce qui... De bloc green... Oh merde. Il nous dit que le bloc rouge, si tu restes plus de 0,4 secondes en dessous de lui, tu meurs. Holy fucking shit. Donc là, il va falloir vraiment faire un speedrunner, mon gars. T'as jamais vu ça, mon gars. Espérons... réussir, surtout que celui-là il est long. J'espère en tout cas, je vais essayer. Mon challenge, ça va être essayer de faire moins de 19 morts. Et si j'arrive à faire ça, j'arrive à battre le créateur de la map. Et ça, on va pas se mentir, c'est le style. C'est parti, mon ami. Donc, dès qu'on est sur le rouge, on doit jumper. Sinon, on décède comme une grosse merde. Ok. Oui. Ok, let's go. Let's go. Non, je suis mort. Oh, celui-là était compliqué. Et il y a le checkpoint juste là-bas. Il est quand même assez loin, le checkpoint. Oh là là. J'espère pas trop galérer pour ce niveau. C'est le dernier, les amis. Espérons gérer. Oh putain, non. Ça n'a pas fonctionné. J'ai appuyé sur sneak. Et ça n'a pas fait sauter. Ça n'a pas fait sauter. D'accord. Je suis instant directement mort. Ah ouais, c'est chaud. Ouf. Tac. Ça demande beaucoup de skill quand même, on va pas se mentir. Oui. Non. Ah, je m'attendais pas que ça soit comme ça là. C'est vraiment rapide, hein, on va pas se mentir. J'aimerais juste arriver au checkpoint. Si ça ne te dérange pas. Oui. Oui, let's go. Non. Oui, oh putain. Allez. Let's go, checkpoint. Ça fait plaisir. Let's go. On arrive au premier checkpoint. Oh là là, la pression, les gens. La pression. Bloc rouge, on saute direct. Let's go. Ok. Bloc rouge. Checkpoint. Ok, let's go. Pour le manger. Bloc rouge, attention. Faut directement sauter. Enfin, sauter, plutôt, on se comprend. Ou plutôt descendre. Oh putain, je stresse, j'ai pas envie de mourir. Oh, je suis bientôt à la fin, les gens. Vais-je réussir à faire moins de morts que le créateur de sa propre map?
Oh yes. Oh yes. Non. Oh. Oh non. Oh le fail. Tu es sérieux? Non. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi suis-je mort au dernier bloc? Enfin, en fait, je me suis fait, j'ai pas réussi à sauter au dernier bloc. Et j'ai pas réussi à cliquer sur le dernier bloc. Ah, ça, c'est vraiment chouette. Hein. On va pas se mentir. L'effet comme ça, j'en fils, il n'apprécie pas fortement cela. Et j'ai cliqué sur le bouton, ça ne m'a pas fait descendre. Ok, des fois, de temps en temps, il y a des petits bugs. C'est pas grave. De toute façon, je pense pas qu'on a nos racks très compliqués. On a 13 morts pour le moment. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut réussir. Je pense qu'on peut réussir à faire le petit challenge que je me suis donné. Ok. Dès qu'il y a un bloc rouge, je clique directement dessus. Ok. Pour le moment, allez, allez, allez. Dernière ligne droite. Ok. Là je me fail plus. Hein. Là, je me fail plus. C'est parti, let's go. Level 5 completed. Et bah, du coup. Ah. Parcours speedrun. Ah, ça nous a débloqué. ça nous a débloqué une porte secrète. D'accord, donc speedrun parcours, nausea parcours, blindness parcours. J'ai bien envie de tester le speedrun parcours. Oh, holy fucking shit, dude. Oh yeah, bitch. Ça, c'est vraiment un parcours. Oh yo. Oh yo yo yo. Oh le. Ça, c'est. On va pas en dire, ça, c'est un parcours qui demande beaucoup de skill. Je sais pas si on va réussir. On va quand même essayer 2-3 fois. Voir si on arrive à aller. Voir où pouvons-nous aller au maximum. Bon, les jumps sont pas très compliqués, mais le problème c'est que si tu restes, t'es obligé d'avancer. Parce que si t'avances pas, t'es mort, mon gars. Qui est mort? Ok, on arrive. Au checkpoint. Let's go. Pour le moment, on gère. Oulala. Tac. Ok, good. Oh putain, c'est chaud. Let's go. On arrive à la fin, les amis. Yes. Yes. Let's go. Speedrun completed. Ça fait plaisir. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur cette map qui est vraiment fort appréciable. J'espère en tout cas que tu auras kiffé cette vidéo en mon compagnie. J'espère que tu auras mis ton énorme pouce bleu au-dessus de la vidéo. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube? Alors abonne-toi, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et pour un point, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss!